Nous avons été appelés, comme je l'ai dit tantôt, par le chef de quartier. On est venu, on a trouvé la porte était fermée. On a ordonné à un soudeur de décadenasser la porte. C'est ce qui a été fait. On a ressenti des odeurs nauséabondes dedans. Maintenant, on a appelé, on a informé le procureur et toutes les autorités compétentes ont été informées. La Croix-Rouge et la protection civile se sont présentées et nous avons pénétré la chambre. Et on a trouvé effectivement, c'est le corps de la dame en question qui habitait cette chambre avec son mari. Mais son mari là, qui n'a pas été retrouvé pour le moment. On a trouvé, comment on appelle, le corps en état de putréfaction. Et sur son corps aussi, on a remarqué au niveau de l'arcade sourcilière gauche, une lésion profonde. Et aussi au niveau de la bouche, il y a aussi une lésion au niveau de la bouche. Voilà. Sur son corps aussi, il y a des fluctènes partout. Voilà, il y a des couteaux à côté du corps et il y a aussi un bâton aussi à côté du corps.